On a ici un véritable combattant de MMA. Il n'est spécialisé dans aucune discipline, mais chacun des aspects de son jeu est parfaitement rodé et c'est cette polyvalence qui fait sa force. Vous avez déjà essayé de mettre un mur de béton KO ? Eh ben avec lui, c'est un peu pareil. Nombreux ont été ses adversaires qui ont essayé de l'envoyer faire la sieste. Mais dormir, c'est juste pas son truc, non. Son truc, c'est de gagner des combats. Combattant plutôt doué en kickboxing qui approche, il va sûrement vouloir orienter le combat dans ce sens. Tout à fait, il peut travailler avec les pieds et les poings et frapper dès que la distance se raccourcit. Avec son menton en titane, on se demande bien ce qui pourrait le mettre KO. On a vu des spécialistes du knockout s'essouffler face à lui tandis qu'il encaissait tranquillement. Et c'est en principe à ce moment qu'il revient et remporte le combat. Et voici les données de ce combat poids lourd. Ces deux combattants n'ont qu'un an d'écart. Et ils ont une énorme différence en matière de taille et d'allonge. Et voilà Bruce Buffer pour présenter les deux adversaires. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. When the action begins, our referee in charge of the octagon, Dan Mergliotta. And now! This is the moment UFC fans around the world have been waiting for. Live from the sold-out Madison Square Garden Arena in New York City, it's time! Five rounds in the UFC heavyweight division. Introduce you first. Fighting out of the blue corner. This man is a mixed martial artist making his professional debut here tonight. He stands 5'7" tall, weighing in at 145 pounds. Fighting out of Los Angeles, California, USA, Bruce the Dragon Lee. And now introducing his opponent, fighting out of the red corner. This man is a kickboxer, holding a professional record of 11 wins, 1 loss. He stands 6'4" tall, weighing in at 247 pounds. Fighting out of Paris, France, Cyril Bangamaga. All right, mental rules in the locker room. I want you to obey my commands at all times, protect yourself at all times. I want a nice, clean, safe fight. Touch gloves, match your corners, come out fighting. Marque de respect avant de retourner respectivement dans leur coin. Are you ready? Bruce Lee est avec nous ce soir pour un combat qui promet d'être inoubliable. Le petit dragon est fou. Il voit des étoiles. Il se relève à nouveau. Premier round. Et regardez, son allonge lui offre un vrai avantage. Avec une telle différence de taille, c'est normal. On va voir s'il arrive à rester maître de la distance dans ce combat. En tout cas, il va pouvoir se régaler avec son jab. Il vient faire claquer son tibia contre sa jambe. Coup de pied à la tête. Il est sonné. Et voilà, encore une transition bien maîtrisée. Quel jeu au sol. Exact. C'est un régal de le voir à l'œuvre en lutte. On est en full garde. Les deux se relèvent. Superbe coup de pied à la tête. Énorme frappe au corps. Spinning back fist. Il place un low kick.
Oh, bien bloqué. Le kick qui atteint sa cible. Il a une super technique. Et un coup de plus. Super coup qui envoie son adversaire au sol. Incroyable, c'est pas fini. Ça connecte. C'est terminé, waouh. Son adversaire n'a même pas dû se rendre compte que le combat était fini. Quelle frappe. Superbe exécution dans ce chaos, tout en précision, une frappe lourde et badaboum, c'est la fin. Il remporte ainsi la victoire. On retrouve Bruce Buffer. Ladies and gentlemen, referee Dan Bergliotta has called a stop to this contest at 2 minutes 40 seconds of the very first round. Declaring the winner by